Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Tu voulais me parler, maman? J'espérais te parler en tête à tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt dans les environs de Préolar. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs. Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison. Je t'interdis d'aller à Préolar à partir de maintenant. Mais, maman... Ma petite gazelle, tes intentions sont louables. Mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matabeleland, papa serait encore en vie. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es ami pourra te faire entendre raison. C'est si frustrant. Elle ne m'écoute jamais. Elle t'a appelé sa petite gazelle. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous? Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de Préolar dont elle a parlé. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard, alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais je suis une animagus, et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Aux grandes dames de ma mère, c'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow. Tu es née en étant un animagus, ou tu as appris à le devenir? Les animagus ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant un mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début. La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou, mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard. Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre animagus? Oh non. L'animagus d'une personne est déterminé par sa personnalité. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle parce que je m'adapte à toute situation. Moi, je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires. Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal? Eh bien, la première fois, c'est assez troublant. On ressent une douleur fulgurante et deux cœurs battre la chamade. Mais c'est de plus en plus facile. Je ne ressens plus aucune douleur et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte. Et j'adore pouvoir observer le monde depuis une perspective différente. Je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. Elle s'inquiétait pour ta sécurité. Il vaudrait peut-être mieux que tu évites Préolar pour l'instant. Ce serait plus sûr. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne solution. Toi, si. Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Harlow et Ranrock te cherchaient des noises. Mais tu en as décidé autrement. J'ai choisi de suivre ton exemple. Je dois affronter Rockwood et Harlow et non me cacher d'eux. Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence. Merci d'avoir été là pendant cette conversation légèrement gênante.
Revelio. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Professeur, auriez-vous un moment? Bien sûr. Pardonnez-moi. En fait, ce n'est pas le bon moment. Je le pense également. Revelio! Revelio. Pour de nouvelles aventures? Revelio. Revelio. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Cessez de badiner. Revelio.
Revelio. Voyager était incroyablement pénible avant que j'arrive. Confringo! Action! Allô, Mora. Revelio. 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 Qu'est-ce que vous mijotez ? Revelio. Wingardium Leviosa. Revelio. Revelio. Allô, Mora. Je vais essayer en classe. Leçon de lévitation. Encourager les élèves à faire éviter des blocs à travers les cerceaux volants ou au département des esquives. Travail Expellianus, c'est le réflexe cible mouvant. Retour aux bases de lancer. Le sort sur les cibles de chanter pour qu'elle déplace rapidement. Revelio.
Allô, Mora. Lumos. Revelio. On rend compte qu'il y a plusieurs siècles, un professeur de sortilège a gardé un troll sur lequel les élèves pouvaient s'exercer. J'étais des sorts particulièrement difficiles, c'est choquant, certes, mais peut-être pas surprenant à l'époque où le Quidditch impliquait l'utilisation de vrais vivets. On peut se demander à quoi elle servira à l'avenir. Revelio. Lumos. Revelio. Protego. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Bonjour, Sophronia. C'était un sacré questionnaire que tu m'as fait passer. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? C'est un bon test de connaissances, n'est-ce pas ? Je travaille sur quelque chose de tout aussi intéressant, mais j'ai besoin de l'aide d'un cinquième année, alors ta présence pourrait m'être utile. Tu connais Herodiana Byrne ? Pas la peine de répondre. Bien sûr que tu ne la connais pas. À part moi, personne ne semble la connaître. Tu sais que personne ne maîtrise Repulso mieux qu'elle. Elle a même enseigné à Poudlard, brièvement. C'est intéressant. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler d'elle ? C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas plus connue. Je lis souvent des livres sur les grandes sorcières pendant mon temps libre. Il y en a tellement. En lisant un livre à son sujet, j'ai appris qu'elle avait construit une salle secrète d'entraînement à Repulso, ici à Poudlard. Mais puisque nous parlons tout de même d'Herodiana, elle en a interdit l'accès à quiconque ne maîtrise pas le sortilège Repulso. Et bien sûr, il n'est pas au programme de troisième année. Et tu es en troisième année, donc... Tu as l'esprit vif à ce que je vois. Si j'en crois mes lectures, sa tenue emblématique pourrait encore s'y trouver. J'aimerais vraiment la voir. Pourrais-tu récupérer la tenue emblématique d'Herodiana et me la montrer ? Pourquoi Herodiana Byrne est-elle devenue célèbre en lançant Repulso ? Elle a sauvé des orphelins d'un grappe-corne sauvage en le bannissant à Stonehenge. C'est sur le plateau de Salisbury. Une fois, elle a banni un mage noir jusqu'à Durmstrang. Et tout ça alors qu'elle était dans les Alpes. Bon, cette histoire en particulier a peut-être été enjolivée, mais la plupart sont vraies. Qu'est-il advenu d'Herodiana Byrne ? À la fin de sa vie, elle a enseigné à Poudlard, mais brièvement. Le temps pour elle de construire ce hall secret, semble-t-il. Puis un jour, elle a disparu. Certains affirment qu'elle s'est bannie elle-même, mais personne ne le sait avec certitude.
Si tu me dis où aller, je verrai si je peux faire quelque chose. Il te suffit de te rendre dans le hall d'Herodiana. Il se trouve à la base de la tour de défense contre les forces du mal. Une fois là-bas, tu y trouveras une série d'énigmes répulsos qui cachent des éléments de la tenue d'Herodiana. D'accord. Je te préviendrai si je trouve quelque chose. J'ai hâte de pouvoir admirer le célèbre ensemble d'Herodiana. Sophronia m'a parlé. Ça semble plutôt intéressant. Revelio. Je n'arrive pas à croire qu'on se soit retrouvé coincé dans ce scriptorium. Plus jamais. Réflexion. Être l'entrée du hall d'Herodiana. Le voilà, le hall d'Herodiana. Je devrais y entrer et trouver ses ennemis. Rébellion. Maintenant, on va voir si Herodiana Byrne était aussi affirme Sophronia. Rébellion. C'était pas très compliqué. Je me demande ce qu'il m'attend ensuite. Rébellion. Thank you.
Zéro. C'est bon à savoir. Je commence à prendre le coup de main. J'ai bientôt terminé. Action.
Protego. Refuso. C'est la dernière. Finalement, je n'ai rien à envier à l'Hérodiana. Et voilà sûrement la dernière pièce de l'ensemble d'Hérodiana. C'est tout à fait remarquable. Je comprends mieux pourquoi Sophronia voulait voir ça. Revelio. Rébellion. Allô, Mora. Rébellion. Un vieux placard dans le raconte qu'il a autrefois contenu le puissant épouvantard et il aurait fallu 5 professeurs pour le repousser. Il se transformait en loup-garou en tournant dans un guise en magia à la pointe même de la belle-mère. Belle-mère. On m'a averti que plusieurs membres du personnel souhaitaient organiser une réunion conviviale. Je ne m'y opposerai pas et laisserai les personnels souhaiter fraterniser et participer à condition que cette activité ait lieu hors des heures de cours, que les festivités ne perturbent pas ma concentration. Je serai probablement occupé à date prévue, mais je déciderai de ma participation une fois l'invitation reçue. J'imagine bien que mon absence risquerait de gâcher l'événement. Une demi-heure devrait suffire pour ce dernier. Je préfère vous prévenir. Aucune ambiance musicale ne sera tolérée. Penigeus Black, directeur, aucun mais sucré ne sera servi de peur. N'attire un rat ou un flaireur. Par ailleurs, essayez de limiter le nombre de convives à 4. Rébellion. La grande. Ce passage, plutôt qu'on le comparait à autre passage, malheureusement, il récolte de Mimbulus, Mimplotonia, et en fait l'objet d'une erreur de manipulation du 16e siècle et le ratmaré dont Pestine subséquent. Laissez une terrible odeur que même sortilège récupérable plus puissant ne semble pas pouvoir éradiquer. Revelio. Stipendo. Descendo. Repulso. Revelio. Revelio. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Rébellion.
Revelio. Quel plaisir de vous revoir. Revelio. Sophronia. J'ai résolu toutes les énigmes du hall d'Hérodiana. Incroyable! Alors tu as trouvé la tenue d'Hérodiana? Je peux la voir? Bien sûr, mais pas gratuitement. La tâche n'était pas aisée. Bien sûr, je paierai ce que tu voudras. Oh, c'est génial! Tu vas avoir autant d'allure qu'Hérodiana, la grande spécialiste de Repulso. Tu es en deuxième position parmi les gens que j'admire le plus. Il a l'air de faire sombre à l'intérieur. Ça ne va pas m'arrêter. Revelio. Tu es là. Bien. Sébastien, cette relique dont tu parlais... Je crois qu'un élève de Serpentard est tombé sur la relique quand il étudiait le sarcophage de ces catacombes pour un devoir. D'après ce que j'ai lu dans le rapport de cet élève, on lui a interdit de la prendre avec lui. Alors, j'imagine qu'elle est encore là. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la relique permet à celui qui la porte d'annuler les mauvais sorts. Si elle est dans ces catacombes, je dois la trouver. Pour Anne. Je dois la voir. J'aimerais bien savoir ce que l'élève a découvert d'autre. Tiens, regarde. Malheureusement, il n'y a pas de nom dessus. Mais s'il était assez important pour que Serpentard le mette dans son livre de sorts, alors cela vaut la peine de l'étudier plus en détail. Je suis prêt à explorer les catacombes. On devrait aller voir Anne quand on aura fini. Parfait. Au fait, Ominis m'a demandé de tes nouvelles. Tu ne lui as pas dit ce qu'on faisait, n'est-ce pas? Non. Je te le promets. Bien. Ominis serait furieux s'il savait ce qu'on s'apprête à faire. La porte d'élève, le devoir de la catacombe est... Réservez bien des surprises, apprendre à connaître nos ancêtres, c'est révélé très enrichissant. Mais j'ai découvert quelque chose que je n'ai pas pu ignorer dans une zone délabrée située derrière la grande salle. Au milieu des sarcophages profanés, j'ai trouvé une relique de la forme étrange immédiatement. J'ai senti son pouvoir, j'aimerais beaucoup étudier cette relique plus avant, si seulement il m'était permis de la garder. J'aimerais comparer ce qui se trouve à l'intérieur avec ce que j'ai pu lire sur cette catacombe. Cette terrible odeur signifie que nous sommes près du but. Revelio. Action. Descendo. Flipendo. Repulso. Pas seul là-dedans. Ça doit être fini. On n'aura peut-être aucun insecte dans le reste du tombeau.
Les araignées ne sont pas des insectes. Ne commence pas. Confringo. Descendre. Refuso. Action. J'aimerais pouvoir pousser ce monstre. Cette pièce est plus grande qu'elle n'en a l'air. Action. Nous sommes là pour une raison. Nous n'avons d'autre choix que de... Un coffre caché. Revelio. Le plus ordinaire. Excellent. Je vais mieux dormir ce soir. Action. Bombarda. Attention, tu marches. Je vais glisser. Cette herbe, ça ne ressemble plus à un tombeau. J'ai lu quelque chose au sujet de catacombes dont les ont causé des problèmes, notamment des... Et ils ont été abandonnés? Exactement. Mais tout ira bien. Revelio. Revelio. Voilà le genre de salle dans laquelle j'aimerais être enterré. Entouré par des splendeurs? Entre autres. Action! Il y a même un hôtel avec un tas d'ossements. Charme. Des os en dehors d'un sarcophage? C'est étrange. Revelio. Quelque chose près de l'hôtel. J'ai bêtement mentionné les reliques dans mon rapport où on m'a rappelé de laisser là-bas, mais cette recherche mérite que l'on outrepasse certaines règles. Je sens quelque chose de spécial dans cette relique. On dit que les gens choisis par des baguettes magiques de chêne anglais ou une meilleure institution, c'est aussi ce que je crois. C'est pourquoi, alors que personne ne regardait, j'ai agi. J'ai invoqué deux barrières pour isoler les reliques que les ancêtres nous pardonnèrent.
me pardonne, mais que je me suis servi de leur os pour en confectionner la clé. Je prévois de revenir, mais je dois d'abord me préparer à notre prochain devoir après un sortilège de l'Imperium. Ce sort est censé être bien utile contre tous nos ennemis. Qu'as-tu trouvé? Rebellion. Confringo. Nous sommes dans un tombeau. Je pense que des bruits étranges font partie du décor. Réparons. Action. Nous avons déjà bien avancé, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Rebellion. On dirait le journal d'un élève. Il mentionne des plans pour récupérer la relique et invoquer des barricades en utilisant des ossements. Bien sûr. Le rapport de l'élève mentionne un espace après la grande salle. Ce qui veut dire que ce n'est pas une impasse. Séparons-nous. Toi, tu t'occupes des barricades en os et moi, je pars en exploration pour voir si nous avons raté quelque chose. Garde bien le journal avec toi. On a peut-être manqué quelque chose. Il parle aussi d'autre chose. Il est écrit que leur prochain devoir est d'apprendre le sortilège de l'Imperium. Vraiment ? Intéressant. Nous devons trouver un moyen d'aller plus loin. Attends. Laisse-moi réfléchir un instant. Tu penses que ces pages ont été laissées ici exprès ? Serpentard mentionne un élève doué en enchantement, toujours muni d'une sacoche pleine de notes. Elles ont peut-être été laissées ici pour une raison ? Ou l'élève les a faites tomber ? Bien sûr. Je vais commencer à chercher ces barricades. Génial. Ça va bien plus loin que je le pensais. Regarde, ces ossements sont étrangement empilés de chaque côté de cette arche. Il faut fouiller partout. Sous tous les ossements. Wingard, ils ont fondu, ces os.
T'as même pas débloqué les sorts importants. Non, je les veux pas. J'aurais pu, j'ai pas voulu. Non, j'aurais pu, j'ai pas fait. Un loser. Mais. Je dois trouver un moyen de traverser. Lumos. Confringo. Moi je pose aller là, master. Wingard, Leviosa. Confringo. Qu'est-ce qui est? Quand je baissais, je peux plus. Non, je dois aller. je vais aller partir pour tantôt. Ça sert à rien. C'est ça, c'est ça. Je savais qu'on s'en sortirait. Je les sens.
senti dans mes os. Pas mal. Comment ça, je peux pas aller l'autre... l'autre côté? Le journal de l'élève mentionne le sortilège de l'Imperium. Ça ne m'étonnerait pas qu'on en ait besoin. C'est un sortilège impardonnable, mais il peut s'avérer utile face à des ennemis trop nombreux. Il place la victime sous l'emprise du lanceur. Ça reste entre nous, mais si tu veux apprendre Impero, je peux t'aider. Où as-tu appris le sortilège? Je pourrais prendre le deuxième, mais je ne le prendrai pas. Ne dis pas à Ominis que je t'en ai parlé. Il n'y a pas de quoi être fier, mais ça peut s'avérer utile. Je crois que tu devrais le connaître. J'aimerais en savoir plus sur ce qu'implique ce sortilège. Tu te souviens du maléfice explosif? C'est le même principe. Mais pour un sortilège impardonnable, tes intentions doivent être claires. Tu dois le vouloir sincèrement. Je préfère éviter le sortilège d'Imperium. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Merci pour les crottes de caribou. Vraiment? Mais on ignore ce qui nous attend. En tout cas, je n'insisterai pas. Je te soutiendrai quoi qu'il nous arrive là-bas. C'est parti. Il y a quelque chose devant. Sois sur tes gardes. Une autre barricade. Ce n'est pas la même que la précédente. Ouais, il y a des symboles runiques. Revelio. Que je comprends le principe. Il faut ce signe-là puis ce signe-là. Donc ça. Et merci pour les crottes de caribou. Oh yeah! Lumos. Lui, puis ça, on va la tuer, ça rien là. Compris, go.
araignée de moins dans ce monde. Je vais mieux dormir ce soir. Sopsa. Action. Qu'est-ce qu'il y a buggé celui-là? Chemin. J'exagère un peu, non? Confringo! Réveillon. Cette catacombe est délabrée, comme le décrivait le rapport de l'élève. Je pense que ça fait un moment que personne n'a mis les pieds ici. Bon, allons-y, on continue. Confringo. Reste le sort.
Apparemment que c'était fallait la magie noire pour le faire. Et vu que je l'ai pas, ben c'est ça. Rébellion. Je comprends pourquoi l'élève de Serpentard trouvait cet endroit si fascinant. Ça n'en finirait jamais. Confringo. Revelio. Une impasse. Super. Tout ça. Tiens bon. Ce n'est pas le moment d'abandonner. La relique est très prometteuse. Sa puissance pourrait bénéficier à tous les sorciers ainsi qu'au monde entier. Mais le sacrifice obscur nécessaire de libérer son pouvoir est peut-être trop grand. En attendant d'en savoir plus, il ne faut pas que les reliques soient déplacées. Rébellion. Correspond à la description de la relique. Toujours là, Félix. Ce doit être l'endroit où l'élève l'a laissé. Je n'y crois pas. Après tout ça, ça correspond. On l'a enfin trouvé. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? Le sacrifice obscur nécessaire pour libérer le potentiel. T'as acheté le jeu, toi? Relique. Je ne sais pas. Mais on doit trouver la relique. Je suis prêt à ignorer ce que dit le journal. Prenons la relique. Je suis d'accord. Il le faut. Pour Anne. Je la prends. Retournons à Feldcroft. Je dois garder cette relique secrète. Rébellion. Rébellion. Action. Ils nous ont encore suivi, lui. Ominis, les bruits qu'on entendait, c'était toi. Tu ne m'as pas laissé le choix, il fallait que je te suive. Sébastien, je t'en prie, oublie la relique. On trouvera un autre. Tu es rendu plus loin ? Je suis désolé, Ominis, mais je la garde. Je ne te laisserai pas faire. Si tu refuses de la reposer, je le ferai. Attendez un peu.
Sébastien, s'il te plaît, calme-toi. Très bien. Mais Omnis sait que je ne recule jamais devant un combat. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que tu as entendu, Omnis ? J'ai tout entendu. Tu as encouragé Sébastien à prendre la relique. Sébastien a bien étudié la question. Il sait ce qu'il fait. Sébastien présente toujours les choses comme faciles. Non, on n'a pas besoin de ça. Souvent impossible, voire dangereuse. Tout est possible sans ça. Et s'il refuse de changer d'avis, dis-moi rien. J'ai trouvé quelque chose. J'ai besoin de ton aide. Tu as raison. C'est beaucoup plus risqué que Sébastien ne le pense. Bien, nous sommes d'accord. Nous ne le laisserons pas partir avec la relique. Lui parler est une bonne idée, mais j'ai peur que cela ne l'empêche pas de prendre la relique. Qu'est-ce que tu proposes ? Je pense qu'il faut simplement négocier. On autorise Sébastien à partir avec la relique à une seule condition. Après ça, c'est terminé. C'est ce que nous avions convenu dans le scriptorium. On me prend pour un imbécile. Pas du tout, Omnis. C'est peut-être le seul moyen de sauver votre amitié. Nous devons lui faire confiance. D'accord. Si je lui fais confiance, alors à toi aussi. La magie noire a toujours l'air inoffensive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors vas-y, pars avec la relique. Je ne dirai plus un mot. Revelio. J'espère que je ne vais pas le regretter. Sébastien, on est prêt. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas changé d'avis. Omnis a changé d'avis. Partons. Quoi ? Omnis ? Je t'expliquerai en route. Viens. Confringo. Revelio. Confringo. Repulso. Bombarda. Revelio. Bombarda. Wingardium Leviosa. Alors, que s'est-il passé là-bas ? Omnis et moi avons trouvé un compromis. Il te suffit de discuter un moment avec Omnis pour le faire changer d'avis ? C'est tout ? Je lui ai dit qu'on devrait te laisser une chance, que la relique est trop importante pour l'ignorer. Il doit sûrement y avoir autre chose. Je t'écoute. On s'est mis d'accord sur ce qui était nécessaire, Sébastien. Tu as ma parole. Revelio ! Wingardium Leviosa. Réparo. Non. Réparo. Je vais aller chez l'autre, ce que j'ai collé là-bas là.
Wingardium Leviosa. Préparons. On prend un peu ce bot là. Je peux-tu bien traverser quand je mets Revelio? Et non. Réparons. Chose qui va pas. Liu. Tabarnak, ça prend du temps. Pas toi qui aurais trouvé ça sortant. Et ton petit coco fragile. Et voilà. Thank you.
Sur le chemin du retour, Hominis ne m'a même pas regardé. Ça ne lui ressemble pas. Il était perturbé, Sébastien. Même si on était tous d'accord, c'est difficile à accepter. Je croyais qu'il comprendrait. Il savait qu'on ne pouvait pas abandonner. Tout ça est bien trop important. Pour Anne. Il faut y aller à pied, ça c'est nice. Quand on sera à Feldcroft, je ferai mieux de ne pas dire à Anne ce qu'il a fallu faire. Comment est-ce que c'est? Ah, c'est ça? Ah, c'est ça que c'est. Ok. Ok. Oh non, je n'aime pas ça. Qu'y a-t-il ? De la fumée là-bas, près du hameau. Feldcroft a des ennuis. La ville est attaquée. Dépêchons-nous. Yeah.
récupérons. Garçon, qu'est-ce que tu as fait ? Je n'ai fait que sauver ma sœur. C'est un sortilège impardonnable, sûrement tiré de ce maudit livre. Ton père aurait honte de toi. Tu es allé trop loin, Sébastien. Ne t'approche plus d'elle. Ne t'approche plus de nous. Qu'est-ce que mon oncle voulait que je fasse ? Le sortilège de l'Imperium a sauvé Anne. Ce gobelin allait la tuer. Tu as dû réagir vite. Mais ça reste un sortilège impardonnable. J'ai agi sans réfléchir. C'est tout. Je dois faire entendre raison à mon oncle. Il ne peut pas m'éloigner de ma maison. Et encore moins de ma sœur. Il vaut mieux le laisser se calmer un peu. Je peux lui parler. J'arriverai peut-être à lui faire entendre raison. Tu as peut-être raison. Bien. Il vaudrait mieux que je disparaisse quelque temps. Je vais retourner à Poudlard. Revelio. Revelio. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Revelio. Mais à quoi pensait-il ? Excusez-moi, monsieur Palot. Ce que Sébastien a fait est impardonnable. Vous ne comptez tout de même pas le défendre. Sébastien a pris des risques, mais il a agi par instinct pour sauver Anne. Et son instinct était de lancer un sortilège impardonnable ? Notre famille n'a pas recours à la magie noire, même contre nos ennemis. Ce que Sébastien a fait est irréversible. Le fait que vous défendiez le comportement de Sébastien en dit long sur vous. Vous êtes aussi coupable que lui. Sébastien ne s'approchera plus de Fellcroft, ni d'Anne. Les sortilèges impardonnables le sont pour une raison. Si j'apprends que vous continuez dans cette voie, si l'un d'entre vous utilise à nouveau la magie noire, j'en informerai immédiatement le directeur. Pourquoi, Sébastien ? Revelio. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allô, Mora. Revelio.
Réveillons. Réveillon. En route pour de nouvelles aventures? Bienvenue. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. C'est une sage décision. Merci.
Revelio. 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 Bonjour. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Comment vas-tu? Je suis Sakarissa Tugwood, et j'ai une proposition alléchante à te faire. Cela te surprendra peut-être d'apprendre que quelqu'un avec un statut aussi important que le mien soit dans le commerce. Mais je le fais dans le seul intérêt d'aider les plus démunis. C'est vraiment très gentil de ta part. Uji, oh, bienvenue à Tribute Caribou Canadien, mon cher ami, ça fait super plaisir de t'en faire. Oh, yeah! Une crème qui débarrassera notre glorieuse école des affreuses pustules graisseuses qui affligent nos pauvres camarades pubères. Mais je suis à court de mon ingrédient clé, le pus de bubobulbe. Mais les bubobulbes poussent dans la forêt interdite. Si seulement je pouvais payer quelqu'un pour en récupérer pour moi. C'est quoi exactement un bubobulbe ? Des choses vraiment dégoûtantes, couvertes de pustules que l'on doit presser pour en recueillir le pus. Ils sentent vraiment mauvais, et on dirait qu'ils bougent tout seuls. Je ne m'en approcherais pas si ce n'était par devoir envers mes camarades. Comment sais-tu que le pus de bubobulbe permet de nettoyer la peau? Impossible de compter sur les sorts pour améliorer son apparence. Un mauvais geste peut déplacer entièrement les sourcils d'une personne au lieu de simplement les amincir. Ma chère voisine, qui a maintenant l'air perpétuellement surprise, l'a découvert à ses dépens. Je suis convaincue que l'avenir, ce sont les potions de beauté. Je suis toujours à la recherche de moyens pour rendre ce monde plus beau. Mon intuition me disait que si le pus de bubobulbe pouvait causer des furoncles, une forme altérée de ce pus pourrait inverser ces abominations. Et j'avais raison. Si j'ai le temps, j'irai t'en chercher. Merveilleux! Je le ferais bien moi-même, mais je n'en ai pas envie. J'ai juste besoin de quelques bubobulbes, mais ils poussent dans la nature. Alors il faudra bien chercher. Ok. Nos camarades boutonneux comptent sur toi, alors fais vite. J'espère que ça en vaut la peine. La forêt interdite présente ce fait que tu marches. C'est l'endroit que Sakarissa a indiqué. Mais où sont les bubobulbes? Revelio.
Je me demande qui vivait ici. Allô, Mora. Allô, Mora. C'est donc toi qui as volé notre hippogriffe. Confringo. Réflexion.
Revelio. Wingardium Leviosa. Bombarda. Leviosa. Revelio. 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 C'est bien ma chance. Thank you.
Par chance, il n'en reste que 4. Revelio. Revelio. Ça devrait suffire. Je vais retourner voir Sakarissa. Vous mijotez. Revelio.
Sakarissa, j'ai trouvé les bubobulbes dont tu avais besoin. Superbe. J'espère que ce n'était pas trop difficile. Je peux les voir? J'ai dû faire face à quelques ennuis. Tu ne m'avais pas dit que je risquais de tomber sur un troll. Je pense que tu devrais me payer plus cher. Ah. Je suppose qu'un prix plus élevé est moins ignoble que d'être obligé de regarder les affreuses pustules graisseuses de nos camarades pubères. Merci. Tiens, ton paiement. Je vais pouvoir perfectionner mes potions pour prêter secours à nos pauvres camarades boutonneux. Après tout ce que tu as fait, nos camarades boutonneux et moi te devons vraiment une fière chandelle. Un jour, le monde des sorciers connaîtra mon nom. Et tu auras participé à mon succès. Revelio. Vous êtes de retour? C'est un plaisir de vous revoir. Ravi de faire affaire avec vous. Revelio. Allô, Mora. Collaboration. Revelio. Je n'aime pas du tout voir une... Oh, j'espère que Marie et ses voisins n'ont pas été blessés. Franchement. Allô, Mora. Et voilà.
Revelio. La salle privée des trois ballets est un espace isolé de la salle principale du pub. Il est très apprécié des professeurs de Poudlard qui souhaitent éviter de croiser leurs élèves. Sans surprise, les élèves apprécient également d'avoir un peu d'intimité loin de leur enseignant. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!